Hamster, c'est Aquapro. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc, les nouveautés du 6 janvier 2017 sur le PTR d'Overwatch. Donc, pour comme vous l'avez vu dans le titre, alors il y a le ce qu'ils avaient dit. Il y a pas mal de trucs déjà. Il y a 3 nerfs sur 3 persos. Il y a les nouvelles, pas emotes en quelque sorte, mais. Excusez-moi. Le fait qu'on peut avoir plusieurs répliques ou des trucs, par exemple, je vais prendre celui où j'en ai le plus, c'est Torbjorn. Là où j'ai le plus, c'est en réplique. Ils ont. Voilà, on peut faire 4 répliques. Du coup, je le mets là. Je le mets là. Et par exemple, sous le pied, je le mets là. Donc, on a équipé les 4 et c'est pareil pour les emotes. Voilà, et c'est pareil aussi pour les tags. Voilà. C'est une petite nouveauté bien sympa qui est vachement cool en fait. Moi j'aime vraiment beaucoup. Après, voilà, c'est qu'une légère modification. Les 4 autres nouveautés, entre guillemets, donc les 3 nerfs et la dernière nouveauté. C'est rien de très exceptionnel, c'est même le truc quoi, on s'en bat un peu tous les couilles. Mais on peut rejoindre directement, désolé pour la cam. Là, regardez, il y a écrit « Rejoindre la discussion d'équipe ». Et bien sûr, vous voyez pas. « Rejoindre la discussion d'équipe ». Bon, là, il est pas voyant parce que j'ai déjà cliqué. Mais si, par exemple, normalement... Normalement, si je fais ça. Voilà. Je remonte. On peut rejoindre la discussion d'équipe directement. Donc voilà, je vais cliquer. Alors, les 3 persos qui ont été nerfs, parce que ce sont des nerfs, déjà, c'est Anna. C'est bon. Donc Anna, déjà là on va voir, regardez. Alors pourquoi je peux pas appuyer sur C? Bah ça a marché tout à l'heure. Ah voilà. Je peux appuyer sur réplique, donc clic droit pour avoir toutes mes répliques. Et mes emotes pour avoir toutes mes emotes. Bon là j'ai rien équipé. Mais voilà. Alors le léger, il y a juste eu un petit truc sur Anna. C'est que vous savez la grenade qui heal comme ça. Et bah à place de healer à 100% sur tous les soutiens, voilà, on a vu, elle heal à 50%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça a été vraiment nerf. C'est-à-dire, quand je faisais ça, par exemple, quand j'utilisais ma grenade, il fallait quoi? 3 ou 4 balles pour régénérer complet un Reinhardt. Maintenant, il va falloir 6 ou 8. 7, on va dire, un truc comme ça. Donc c'est une légère modification. Anna, on sait que c'est cheaté. Est-ce que ce sera suffisant? Je ne pense pas. Je pense honnêtement que c'est un bon début, mais qu'il va falloir nerf son truc là, son shift. Parce que c'est vraiment trop fort pour 12 secondes de recharge, je trouve ça vraiment trop fort. Donc voilà, juste léger nerf. Maintenant on va passer au gros nerf, hashtag Diva. Donc j'y vais regarder en bas à gauche, l'armure et les points de vie ont échangé. Donc si vous savez pas c'est quoi l'armure, la particularité de l'armure, de... des points de vie, etc. Je vous conseille d'aller voir, je crois que c'est Let's Overwatch qui explique bien ça. Leurs vidéos sont en description. Mais voilà, donc ils ont échangé les deux. Du coup, on se retrouve avec 400 points de vie et 200 points d'armure. Et je viens de le faire. L'autre nouveauté, c'est sur les dégâts. Donc après la vie, les dégâts. Donc les dégâts, vous savez, bon là, ils tirent 11 balles. Donc voilà, ils tirent 11 balles d'affilée. En même temps, je veux dire. Et avant c'était 8, maintenant c'est 11. Alors est-ce que c'est un nerf? Vous comprendrez pourquoi c'est un nerf, c'est pas un buff. Déjà la première chose c'est que du coup de loin on va moins toucher. Vous voyez, ça se voit. Alors que là, oui bon, on va plus toucher. Et l'autre nouveauté c'est que à place une balle, normalement on inflige 3 points de dégâts. Et maintenant on inflige que 2. Et donc c'est pour ça que c'est un nerf, parce que 3 fois 8 ça fait... excusez-moi, je viens de sortir des cours, je me demande, ça fait 24. Alors que maintenant, 2 fois 11, ça fait 22. Donc voilà. Si jamais on... Ouais, si jamais on met un coup comme ça, à la place de faire 24 dégâts, on en a 22. Bon, c'est rien de très... voilà, mais... Un léger nerf sur sa vie, sur ses dégâts, c'est pas mal. Et le deuxième, troisième perso, c'est Chopper. Alors Chopper, ils ont réparé le grab. Et en même temps, pour moi, ils ont tué le perso complètement. Donc, je vous explique
Avant, on pouvait grab comme on voulait. Normalement, là, si je grab au milieu, je n'ai personne. Voilà. Je crois qu'avant, je pouvais avoir quelqu'un. Je vais essayer de grab, genre, ici. Ouais, j'ai rien. Ça a été refait complètement. Comme j'ai dit qu'ils avaient réparé le bug, le bug du grab, c'est parce que quand je grabais quelqu'un, par exemple, voilà, il pouvait arriver derrière moi, à ma gauche, à ma droite, on savait pas trop comment ça marchait. Maintenant, il arrive tout le temps devant moi. Donc c'est vraiment trop bien. Par contre, le fait d'où ils ont tué le perso, c'est que là, vous voyez pas de différence, mais par exemple, là, je le grab. Vous voyez? Bon, là, il a été stoppé, mais normalement, le grab s'arrête. Et genre, pour un Lucio ou une Tresseur, regardez. Tac. Là, vous voyez, ça s'est arrêté. Et je crois que ça peut être contré par des dashs de Tresseur, le boob de Lucio. Enfin, pas vraiment, mais genre, quand on l'a attiré, on peut se faire boop ou dasher direct. Et pour moi, ça tue le perso, parce que même si là, ça se voit pas trop, parce que voilà, je compte des bots, ça bouge pas. Le fait qu'il y ait un truc devant, bon, c'est sûr, ça nous faisait rager quand un autre chopper nous le faisait, mais là, voilà, ça a complètement lâché l'ennemi. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont un peu up les dégâts. Regardez, quand je fais ça, et tac, je fais ça, et bah ça le relâche. Donc voilà. Pour moi, ça tue vraiment le perso parce qu'on pourra plus mettre des grappes comme on veut. Genre, par exemple, on pouvait mettre des grappes comme ça avant. Bon, là, je l'ai tué. Et on pourra plus faire le suicide. Déjà qu'on avait du mal, mais maintenant, on peut vraiment plus faire le suicide. Même si je m'y prends comme un manche, on peut pas faire le suicide. Donc voilà, c'est les principales nouveautés du PTR. Trois petits nerfs. Pour moi, Chopper, ils ont tué le perso. Diva, c'est bien. Et Anna, il y a encore un petit peu à chercher. Mais on est sur la bonne voie, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère ce que ça sera, sûrement le deuxième épisode du Let's Play Titanfall 2 et la prochaine vidéo Overwatch qui arrive dans je sais pas combien de temps non plus. Ce sera un gameplay sur Oasis. Ciao hamster.